Frère Maximio, bonsoir, bon Dieu béni nous. Donc, nous disons bon Dieu merci de ce que ben, nous avons occasion encore pour nous capables de réunir. Là. Donc, nous avons présenté excuses. Non, est-ce que la semaine passée, nous avons eu quelques problèmes techniques qui fait nous pas de fonctionner. Donc, nous espérons que à ce soir, nous avons eu un bon temps pendant que nous avons étudié la parole, bon Dieu, dans Apocalypse, chapitre 2, en nous la prière. Et après ça, nous avons commencé avec maintenant, à ce soir, c'est Frère Bradel Millien. Papa, nous qui dans celle-là, dans le nom de Jésus, nous vous remercions pour grâce au amour, miséricorde envers nous, de ce qu'on fait le possible pour nous capables de réunir autour des tables-là avec toutes frères et sœurs, nous, côté yo et la caillou, ça au captandé à travers Radio Clairon Inter, YouTube, Facebook. Nous vous remercions pour présent chaque monde. Pendant nous pour aller entrer dans l'étude parole, nous demandons au Cognéa que l'Esprit soit capable de couvrir serviteur Frère Bradel et capable là ensemble avec nous pendant tout moment ça, et nous attendons que ou même moi par lumière, que les gens qui attendent, soient capables de comprendre tout ça qui est dit, tout ça qui est expliqué, et soient capables d'appliquer. Nous tous, nous sommes capables d'appliquer dans la vie, nous, comme ça, pour nous capables de faire plaisir, et nous croyons à recevoir la bénédiction qui est attribuée avec le livre-là. Il fait comprendre que les gens qui lisent, les gens qui attendent, eh bien, ils peuvent recevoir une bénédiction. À ce moment-là, nous espérons que vous avez accompli la promesse dans la vie de chaque auditeur et auditrice qui attendent. Et nous croyons, Seigneur, nous allons glorifier. Nous remercions, nous prions comme ça, au nom de Jésus. Amen. Encore, à ce moment-là, nous disons bienvenue avec maintenant. Enfin, étude là pour nous, toujours dans Révélation, chapitre 2. Bonsoir, Frère Bradel. Bonsoir, Pasteur Pierre-Oli Paul. Bonsoir, tous fidèles auditeurs. Moi, salue nous dans le nom précieux, Seigneur, nous, Jésus-Christ. Moi, je vous salue spécialement. Les auditeurs de la Radio Cléon et tout membre de l'Église du Nazaréen de notre Miami qui est toujours fidèle à rendez-vous ça chaque jeudi soir à 8h. À soya, nous allons commencer dans le chapitre 2 à côté d'un petit dieu, première lettre, nous, première lettre qui a première l'Église là, c'est à l'Église de Fès. Yes. Nous avons posé une question, notamment de qui monde qui t'a écrit lettre ça, qui monde qui t'a dicté lettre ça, qui côté lettre là t'es sorti, et puis, et qui Jean lettre là t'a fait parvenir à l'église de Fès. Premièrement, lettre là t'a écrit par apôtre Jean. Et qui Jean t'a joint lettre là? Et lettre là t'a envoyé par une spéciale personne que Jean t'a rencontré pendant qu'il était en détention. Et si on parle de prison, même dit en détention dans l'île Patmos. L'île Patmos, c'est une île qui est situé à peu près 60 km de terre, côté, pas de gain presque rien, et Jean pas espéré rewè moun encore. Mais pendant Jean en Ziléa, Jean recevait une visite de un bon ami, un ami de vieux jours, un ami de vieille date, un ami de vieille année, qui vient visiter lui. Et Jean dit que pendant li nan Ziléa, au jour du Seigneur, li tande yon bruit qui fait devant. Des doules. Il pas espéré ouais mon. Côté le TEA, si tu as un bruit qui fait, c'est ta doué bête. Et puis l'elle virer pour le qui monde qui fait bruit là, il gardait, il voyait un monde qui campait dans mitan sept gros lampes. Et puis mon nan dit lui, soit écrit lui dans un livre et voyait le bas sept églises dans Asie mineure ou bien cette église qui est dans la côte méditerranéenne, l'église Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Il dit là tourner pour regarder qui monde qui parle ça, qui voit ça. Et il dit il y a sept gros lampes et dans mitan sept lampes yo gagne un monde qui campe là-dedans, un monde spécial. Si nous t'a décrit mon nom pour nous t'a gagner plus compréhension sous lettre là qu'a voyé ba là, il t'a bon, m'ta préféré décrit mon yo, mais m'a demandé chaque monde qui gagne biblio nan main yo préparé yo pour yo capable li et Apocalypse chapitre 2 verset 1 à 7 qui parlait de premier lettre qui t'a censé lettre à l'église de Fès. Il dit que mon nom qu'elle voit t'a gagné un gourad long sous lit et te gen un ceinture en or sous l'estomac li. Tête li avec cheveux te blanc comme laine blanche comme la neige.
Zuelio te tan kou yon gros flamme du feu. Pieli te semblable à erin chauffé comme s'il te sorti dans yon gros fournaise du feu. Et voili te tan kou bruit gros de l'eau. Li di li te gen nan main droite li 7 étoiles. Nan bouche li te gon épée pointue et puis qui coupait deux bords et visage li te comme soleil là qui t'a brillé dans toute force. Mais qui t'aime dit un gros soleil midi dans state Florida, un soleil qui très très chaud. Et puis mon en parler avec lui, mon en dit moi c'est premier et dernier, moi c'est vivant, moi t'ai mouri et coulia moi vivant au siècle des siècles. Et li recevoir lettre ça li bay Jean lettre là pour Jean écrit voyez bay cette église yo et parmi lesquelles première lettre là c'était à l'église de Fès. On nous a fait une introduction sur chapitre 2. Premier chapitre première c'est première section ou bien première partie dans le livre là. Chapitre 2 et chapitre 3 c'est deuxième partie dans le livre là. Premier partie a li parler de passé et deuxième partie a li parler exactement de temps présent. On nous a dit dispensation présente là qui t'a censé dispensation de la grâce là ou bien le temps de la grâce divine qui offrit à tout le monde. De pourquoi et c'est sa parole là dit de pourquoi ou capable sauver, de pour confesser péché ou accepter Christ comme sauveur personnel ou capable sauver. C'est tant grâce là. Est-ce que tant grâce là prêté pour longtemps? Non, il pas prêté éternel parce que tant grâce là gagne pour le fini. C'est pas première dispensation que grâce là est. Gagne plusieurs dispensations qui t'est passé et déjà. Par exemple, dans Jean chapitre 1er, il dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Grâce là c'est Jésus-Christ qui baille. Mais grâce là il y a un temps pour le finir. Ça veut dire que pendant qu'on a fait l'étude là, si on moun ta gen ta vle prend chance li, il était capable prendre tout prend chance li pendant ce temps ça qu'on y a là, joindre avec Christ et puis la goûter dans grâce là. Dans Asie côté yo té sélectionné cette église ça yo, té gen des centaines d'églises qui té déjà là, qui té développé. Mais le Seigneur t'a choisi sept là-dedans yo. Il t'a choisi yo pour yo t'es capable de recevoir message qu'il t'a bail. Il pas choisi yo par position géographique yo. Il pas choisi yo par position économique yo. Il pas choisi yo par position culturelle yo ou bien position politique yo. Mais il t'a choisi yo parce que yo t'a illustré yon et dans l'histoire christianisme. Le message qui te voyait par cette église, c'était un miroir, une glace qui reflétait propre vie spirituelle les chrétiens d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut croire. Nous devons garder dans le miroir, nous devons prendre position, nous devons prêter attention avec ça qu'a dit dans l'lettre yo, nous devons prendre temps nous pour nous réfléchir sur ça qu'a dit dans l'lettre yo et sur la vie nous avec message qu'a écrit dans l'lettre yo et spécialement et l'lettre qui est écrit à cette église yo, l'église Éphèse, l'église Smyrne, l'église Pergame, l'église Thyatire, l'église Sardes, l'église Philadelphie et enfin l'église Laodicée. OK. Chaque lettre a un thème central. Chaque lettre a un thème central. Et thème central lettre a voué par l'église Éphèse, c'est parce que l'église Éphèse t'est abandonné premier amour. Et c'est là que nous prenons le focus à soi, abandon de son premier amour. Lettre là, il y a trois points là-dedans. Premier point,
c'est compliment que Seigneur a été fait à l'église de Fès. Deuxième point, c'était reproche qui était fait à l'église de Fès. Et troisième point, c'était récompense qui était promise à l'église de Fès. Premier point, on nous partit dans le premier point. Dans le premier point, l'Éternel Seigneur a encouragé l'église de Fès. Selon chapitre 2, verset 2 à 3. Il y a une histoire que moi-même lis, que moi-même, et pour nous capable de faire, et actualité pour nous capable de comprendre ça, je veux dire, nous de bien. Un jour soir, un chauffeur sorti dans une distance bien loin. Dans la machine, il a conduit sur un highway. Il était dans une zone minuit, between minuit à 1h du matin. Dans un petit chiffre. Pau, machine non campé, moteur à campé, moteur à pas travail encore. Époque ça, c'est pas une époque qui était téléphone pour briller, pour foncer des bagailles. Monsieur a demandé côté le campé là dans highway, si m'ta dit sous 75 longtemps côté le campé sous 75, ah c'est un bail très délicat. Qu'il y a pas même 75 là qui gagne. Longtemps c'était 75 tout bon. Dès pour camper sous 75, retourne de machine. Monsieur a demandé qui moun kap vin délivrer li nan moment ça nan laisse ça avec machine nan côté moteur campé. Tout de suite monsieur ouais un monsieur qui parqué derrière lui et puis qui descend qui dit lui moi vle aider ou. Le monsieur a dit li vle aider là. Li gade monsieur a depuis nan pied rivé juste nan tête, l'a mande est-ce que monsieur ça c'est lui-même qui capable délivrer moi ou bien qui capable aider moi dans les indignes ça. Li té un petit Jean retracté et si m'ta ka utiliser mot ça, li pas vle approcher nègla ou bien monsieur a ou bien bali et m'en prend aide là. Monsieur a dit s'il vous plaît est-ce que vous êtes capable de lever le capot machine pour me juste garder un bagage? Ok. Il n'a pas fait tête du vrai, il a levé le capot. Il a levé le capot machine. Monsieur a gardé. Après environ 3 minutes, monsieur a dit stop. Il a dit stop. L'elfine stop. L'a gardé, l'a dit, mais c'est qui moun ça a laissé ça qui levait panan aussi vite comme ça. Et puis il posait question à monsieur a, il dit monsieur a, c'est qui moun qui aide nan là et c'est qui est ou y est. Et puis monsieur a longé quatre li bali. Et puis les monsieur a longé quatre li bali, li nan quatre là c'est monsieur Henry Ford, directeur général de l'entreprise de construction automobile Ford. Monsieur ça, c'est lui-même qui créait machine Ford. Lui connaît machine mieux que tout le monde. Eh bien, moi prends histoire ça pour me capable expliquer que le Seigneur lui connaît chaque l'église individuelle. Lui connaît non seulement chaque l'église, si l'église la gagne 100 moun la donne, li connaît 100 moun yo individuel, li connaît chaque moun individuel, li connaît tout bagay de ou, pa gen rien qu'il pa connaît. Et c'est même gens avec monsieur Ford. Monsieur Ford connaît machine Ford la très bien parce que li c'est constructeur machine Ford. Le Seigneur présentait 7 lettres lio, il commençait tous les 7 lettres lio avec même verbe ça, le verbe connaître. Il commençait tous les 7 lettres lio avec verbe ça, je connais. L'il présentait avec verbe ça, il présentait lui comme créateur, il présentait comme maître là, il présentait comme chef là.
Même Jean, Éphésiens, chapitre 1, verset 22, dit que Christ, c'est chef nous. Dans l'être à l'église d'Éphèse, lui écrit comme ça. Lui dit, je connais tes œuvres. C'est même parole ça que l'Éternel t'a prononcé par la bouche du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 66, verset 18, côté il t'a parlé avec peuple Israël pour le dire peuple Israël, moi connais nous. Moi connais Israël de fond en comble. Moi connais Israël, les Israël sorti. Moi connais Israël, les Israël rentré. Moi connais chaque bagaille de Israël. Moi connais la vie Israël. Moi connais Zevio. Et en plus de ça, non seulement le connais, non seulement le connais Zevio, mais le connais même penser au tout. Ça veut dire avant même penser à rentrer dans la tête Israël, soit pour faire bien, soit pour faire mal, l'Éternel déjà connaît. Et ça, nous voulons étudier à soi, nous voulons discuter ensemble, c'est que l'Écrit connaît un problème, l'Écrit connaît un problème, l'Écrit connaît une maladie, livré, by, remède. Et puisqu'elle connaît l'Église Éphèse, gain un problème, livré, remédier situation, non seulement remédier au point de vue collectif, ça veut dire au point de vue de toute l'église là, mais au point de vue individuel. Livre passer à chaque monde pour le dire, pour moun yo prend conscience de problème, non? Et pour yo remédier, pour lui-même, pour aider à remédier situation. Et livre l'église Éphèse en général, ça veut dire tout le monde dans l'église Éphèse prend conscience des situations qui a vivre ou bien moment qui a traversé ou bien moment que il a pour yo capable remédier et lui-même lui prêt pour le porter remède parce que lui c'est docteur par excellence, lui capable guérir tout type de maladie et non seulement tout type de maladie, lui capable résoudre quel que soit problème non. Problème l'église Éphèse, Seigneur a te vle prendre en main. Donc, dans verset 1er, mettre 3, dans chapitre 2, donc, il y a un bagaille, moi, observé, on est sous cabaye, on tire lumière sous lui, il dit comme ça, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On nous t'a fait un retour derrière, on nous t'a fait tourner derrière dans chapitre 1er. On nous t'a prend verset 19 et verset 20. OK. Dans verset 19 là, il dit écris donc ce que tu as vu. Ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Dans verset 20, il commence avec mot ça le mystère. Qu'est-ce que un mystère? Yon mystère, c'est un bagaille que moun pa ka fin comprendre. Son bagaille que moun pa ka fin comprendre. Li dit mystère, cette étoile que ouè nan men droite mwen, et mystère, cette chandelier yo. Cette étoile yo, c'est ange, cette église yo. Et cette chandelier d'or yo, c'est cette église. On nous ta retourne back toujours dans chapitre 1er. Côté premier bagage, Jean ouais, yon moun vêtu avec yon robe longue qui semblait avec robe yon souverain sacrificateur. Qui job souverain sacrificateur te kon fait? Li te kon rete nan temple la pou clean lamp l'église yo, pou lamp sanctuaire ou bien lamp temple la, pou lamp la pa moui. Et sept chandeliers, ça yo, yo représente sept églises que li voyé lettre yo bay, qui
quittez me répéter encore cette église yo, c'est église Éphèse, Myon, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ça veut dire que le Seigneur a marché en dans l'église yo. Mm-hmm. Et c'est pas dans tous les sept tant qu'on a marché aujourd'hui dans une, l'a marché demain dans l'autre, l'a marché après-demain ou bien l'a marché semaine ça dans l'église, l'a marché l'autre semaine dans l'autre l'église. Li a marché dans mitan tous les sept de same time dans même moment dans même l'heure et dans même époque là et puis l'a contrôlé tout ça qui a passé dans chaque l'église yo. Et puis deuxièmement, li kembe nan men li di ou mystère cette étoile yo, ces anges qui t'am ta dit pasteur, qui t'am ta dit messager, qui m'ont ta utilisé là. Oui oui, non, c'est ça. L'elle dit anges, li capable bien yon anges qui responsable pour surveiller sur l'église là, li capable pasteur l'église là, li capable messager qui porter message là, etc. Et Seigneur lui-même, li kembe pasteur nan men pour pasteur pa tombe. Parce que nous connaît et l'homme étant l'homme, il était toujours l'homme. L'homme gen point fort li, li gen point faible li. Et spécialement parole là dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mm-hmm. Et pourvu que ou nan monde ça ou toujours gagner chair cap domi cap marcher pas à pas d'ailleurs, même les ou manger plus manger l'esprit ou vinn plus fort parce que manger plus manger l'esprit, mais Satan dit la persécuter nous n'importe qui moment li joigne une occasion favorable. Et ça faut quoi, Seigneur a dit li kembe pasteur nan main droite, pas nan main gauche li non, la main puissante. Dans Esaïe il dit li kembe nous avec main puissante, li la main droite li, mais qui gagne force là, c'est là li kembe pasteur. C'est ça que fait li écrit, il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce qu'il dit, c'est lui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, parmi lesquelles anges, pasteurs ou bien messagers, l'église Éphèse là. Et il dit dans sa main droite, c'est lui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, parmi lesquels l'église Éphèse, c'est yon dans sept chandeliers sa yo. En d'autres termes, ça veut dire, nous avons une leçon là, en frère pour yes, c'est que Jésus connaît chaque l'église, il connaît chaque individu qui est dans l'église. Donc, il n'y a pas besoin de monde qui peut venir dire ce qui a passé. Non, il n'y a pas besoin de monde qui peut venir dire. Et donc, on dit, s'il d'abord, soit yon ange, yon messager, quand même dit un serviteur, un message by l'église là, naturellement si c'est Seigneur qui a parlé avec elle, donc on monde pas ta supposé vexé. Yes. On monde pas ta supposé vexé, on monde pas ta supposé estomaqué. Quand même tout travail Satan fait. Satan toujours voulait faire monde n'en connaît sa voix y a parlé. Ou pas ouais y a parlé avec ou on monde te vient dit pasteur ou pas écouler le prendre ou mettre dans la rue, couler la jouer, il vient sous chair pas prêcher, il vient prêcher. Parole ça aussi c'était potage lié, etc., etc. Et puis Satan mettait un gros ken dans mon nom et puis il traînait, il mettait dehors. C'est ça qui fait un pile fois dans l'église, qui fait un pile monde saute l'église là, ils rentrent avec cœur content, ils sortent fâché parce que le Saint-Esprit rentre dans eux, le Saint-Esprit rentre dans problème, ils pour dire aux vérités au lieu où tu prends conscience et n'a privé dans ça tout, pasteur Pierre. Parce que l'église Éphèse t'ai un problème qui ont pas de prendre conscience tout. Yes. Ils n'ont pas pris conscience, les ont sorti, ils ont sorti bien fâché, et puis, surtout qu'il y a un problème de téléphone, ils ont l'autre, ils ont dit, parce qu'il a parlé avec vous, c'est à fond, ils connaissent qu'il a parlé avec vous. Et puis, ils ont vexé. Et le Seigneur, il connaît chaque monde individuel. Et ça fait aller à me dire, le problème, ce n'est pas ton problème collectif seulement, c'est ton problème collectif et un problème individuel. OK. Donc, est-ce qu'on a touché peut-être un petit crasse sur l'environnement de l'église là, qui peut-être a fait moun yo comprendre mieux la réalité yo tap vive là, qui permet peut-être ça qui rive à qui li rive? Ok, quittez-moi avancer, là moi vais plus devant, m'a répondre deuxième question ça. Okay. Deuxièmement, reproche du Seigneur à l'église de Fès.
d'aller à nous te parler, nous te dit il y a 4 points, il y a 3 points importants, il y a compliments. Yes. Moi connais vous, moi connais qui j'en va marcher, moi connais côté où il y a un série de problèmes qu'a présenté ou pas supporté yo, etc., etc. Mais l'elfine bali compte compliment ni qu'il connaît ni li wè qui misé la passé qui problème ni qu'il a commencé faire le reproche. OK. On nous parti à reproche le pasteur Pierre. L'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse, il était fidèle. Mais il y a quelques bagailles qui ne peuvent pas aller bien. OK. So, dans le service, mettre l'église là, souligner, les souligner, ils sont fidèles. Mais il y a quelques bagailles qui ne peuvent pas aller bien. OK. Il y a quelques bagailles qui ne peuvent pas aller bien à Éphèse. Et Seigneur, il prend ça en main pour te faire ça. OK. Pour te faire ça. Il dit que pas de déviation doctrinale. Ça veut dire que yo t'es toujours à parler bien de la résurrection de Christ, que Christ mourit, il ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. C'est de ça que tu as parlé. Pas de gagner infidélité. Pas de gagner infidélité. Pas de gagner ennemi l'un avec l'autre. Pas de gagner division. Hein? Pas de gagner division. Tout bagaille où qu'on est qui a répété Koulia là dans l'église presque Koulia que moun connaît que c'est ça qui fait l'église pas pa marcher bien, c'est pas ça l'église Éphèse te gagne. Mais te gagne un problème. Et comme on dit, pas de gagne déviation doctrinale, pas de gagne infidélité, pas de gagne haine, pas de gagne division dans mitan yo, mais Seigneur te prend soin pour te dire que gagne yon bagay qui pas marcher. Et ça qui pas marché a, il mérite résoudre le plus vite que possible. Que possible. Qui ça pas marché? C'est que premier amour yo te gagné au lieu amour te aller en progressant, amour te aller en dégradant. Amour te aller en dégradant et l'église Éphèse qui ça t'est passé, il t'a refroidi et qui te prend un exemple, si vous mettez un de l'eau qui est chaud ou qui bouillit ou éteint du feu en balle, qui ça qui a passé? En pontant la bonne fois. L'eau de chaleur a sauté, jusqu'à ce que il vienne, il frette. Mais c'est ça qui est passé l'église Éphèse. L'église Éphèse lui dit que premier amour, il était dérapé avec une chaleur. Tu dérapé avec une chaleur chaud. Mais au fil du temps, chaleur a commencé à diminuer et finalement, il t'est refroidi complètement. Qui t'a nous tourné dans l'église Éphèse? Est-ce qu'elle t'a commencé dans une situation comme ça? Non. Au temps de l'église primitive, chrétien Éphèse yo t'a remé Seigneur avec tout cœur. Et apôtre Paul qui t'a écrit lettre à l'église d'Éphèse, il n'a pas exhorté en rien de mal. Il n'a pas reproché de rien dans le témoignage. Au lieu de ça, il t'a envoyé quelques mots d'encouragement pour eux, pour faire connaître que pour continuer qu'un bel amour ça y a gagné pour Christ là jusqu'à ce que Christ retourne. Yes. En fait, les même la prière pour yo capable de venir pousser racines. Racines dans l'évangile. Il voyait plusieurs versets qui fait qu'on est que chrétien Éphésio t'aimer Christ avec tout cœur. Yeah. But qui ça vient passer dans Éphèse? Et son bagage pour l'église prend pile précaution pour même pas laisser ça pas arriver. Parce que t'as l'air m'a dit que l'exa yo yo voye by cette église yo, c'est pas cette église là seulement qui te gagne en Asie mineure. Correct. C'est pas cette église là seulement qui te gagne sous rive méditerranée. Si nous t'avons pris l'église, nous t'avons dit qui est fameux, naturellement, ou t'as pensé, yo t'as pris l'église en Jérusalem. Yeah. Non, mais l'église Jérusalem, c'est ton l'église qui te barre, mais il n'y a pas de prendre.
sous rive là, t'as l'autre église, t'as l'église Thessalonique qui pas tellement loin, que t'as gagné, ils ont pas de prendre tout, mais l'église Thessalonique t'as un problème pas, il t'a enduré, parce que non, lettre là, ils ont pas mentionné l'église Thessalonique, mais là entrer dans les détails de l'église Thessalonique, ou après l'église Thessalonique t'as gagné un autre problème qu'il t'a enduré, qu'ils ont pas mentionné. Dans mi-temps l'église Éphèse, mais au fil du temps dans cette lettre, ou après problème l'église Thessalonique a figuré, parce que chaque lettre ça yo, yo servi pour une période ou bien un moment que n'a vive kounier. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Apôtre Paul t'a encouragé l'église Éphèse. Il t'a encouragé pour yo kembe là. Il t'a encouragé, il t'a dit la prière pour yo, la kembe. Il écrit aux lettres pendant que lui-même lui n'a tête chargée parle pour dire qu'est-ce là parce que gagne une récompense pour ça. Hop, à peu près 40 ans passés, environ 40 ans passés, la vie spirituelle t'est commencé refroidi. Non, en pile dans communauté chrétienne. Le Seigneur disait à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, mais grave lacune, ou cap travail, ou cap persévérer, fait ceci, fait cela, fait gros service, mais il y a des lacunes qui est impardonnable. Parce que dans la vie chrétienne, les gens qui doivent jouer premier rôle, ou bien premier bagaille qui doit prendre première place dans la vie chrétienne, c'est l'amour pour le Christ. Il dit, grave lacune, forme de piété, ça veut dire que c'est un coup, c'est formaliste, forme de piété et de tradition, mais abandon du premier amour. Il a fait toute belle bagaille. Pour faire Seigneur ouais qui a travaillé mais l'amour yo te gagné vraiment pour Christ là il pas te marché. Il y a une histoire pasteur Paul dans la Bible de ce livre Jean dit que deux mesdames ça yo te renmé Seigneur en pile en pile c'est histoire Marthe et Marie. Le Seigneur a vini dans Kaila parce qu'il te compte visiter très souvent. Marie chita dans pied Seigneur. Qui ça l'a fait? L'a pas adoré lui. Qui ça l'a fait? L'a tendé exhortation. Yes. Qui ça l'a fait? L'a tendé message. Qui ça l'a fait? L'a prié. Qui ça l'a fait? L'a adoré Seigneur. Ça c'est Marie. Oui. Mais Matt lui-même Matt occupait les soins domestiques. Parce que Matthieu voulait plaire Seigneur dans l'autre façon. Matthieu voulait préparer de bons mets succulents, de bons plats, de bons gâteaux, de bons griots, de bons bananes pesées, de bons duris, etc., etc., pour te offrir Seigneur. Et Matthieu travaille au four et au moulin pour te capable faire plaire Seigneur. Maintenant, des mesdames Sayo, qui est-ce qui t'a choisi puis bon place là? Les matouels a crasé col et puis le Marie chita bien chita dans pied Seigneur. Il réalise que Marie pas fait rien. Il dit Seigneur, mais merde, ou pas gagne quelque sensible pour moi pour je m'a crasé comme là. Pour je m'a crasé comme là et puis garder chita Marie pas fait rien. Elle n'est que chita dans pied là. Seigneur répond Marie, Matt, il dit Matt, Marie choisit puis bonne parle. C'est ça qu'il dit dans Matthieu 6, 33. Nous devons chercher premièrement le royaume bon Dieu avec justice. Et puis toute bagaille a vini en dégui. Oui, l'église Éphèse, t'es gain bon œuvre. L'église Éphèse, t'as travail. L'église Éphèse, t'es gain persévérance. Mais ça, Seigneur a reproché, c'est que yo négligé premier amour. Donc, qui te mette yon balance. Yon balance, c'est que Seigneur a connu les œuvres,
li kon travay yo, li wè persévérance yo, li wè yo pa associé avec moun ka fè méchanceté. OK? Donc li non seulement ça, nou capable di yo genyen, m'a di yo gen présence Saint-Esprit a avec yo parce que li di yo éprouvé moun ki di yo se apôtre ou bien ki se prophète, mais en réalité qui pas vraiment représenté ça bon Dieu voulait. Donc quand même yo te gen qualité nan yo que bon Dieu lui-même, c'est bon Dieu qui a fait témoignage de yo. Ça veut dire c'est bon Dieu qui a fait témoignage de yo. M'vle croire que c'est pas li pas seulement dit parce que yo t'a fait pour forme, mais yo te vraiment gagné attribut ou bien ça c'était caractère, non? Pasteur Paul, mon ange doit faire un pile bel travail, un pile bon travail qui méritait applaudissement. Mais l'amour pour Seigneur, c'est lui qui jouit premier rôle là, rôle de première classe là, rôle important. Mon ange capable venir l'église chaque dimanche. Il vient il prier, il vient il raille péché, il vient li bay kob ofrande, li fè une série de œuvres, mais l'elle adoré vrai, li pa adoré avec tout cœur li. Okay. Parce que Seigneur a besoin pour gagner première place dans la vie ou. Si ou pa bay Seigneur première place dans la vie ou, tout ça ou a faire, li pa pral di que ou pa bon non. OK. Mais le besoin première place là. All right. Donc ça veut dire bon que tu m'as dit bon Dieu balancer bagay yo avec en équité. Yeah. Mm-hmm. Donc les papas le bas au éloge sont pas mérités non tout les papas qui t'aiment d'aller condamné ou leur a fait un bagage qui bon. Ok, très bien. Yes, pasteur. Ok, on va continuer. Pendant que Seigneur a parlé avec l'église Éphèse là, mais ils ont désir pour l'église Éphèse. Au qui t'aiment d'aller, ils ont désir pour tout le monde qui tombait dans la catégorie Éphèse. Ok. Yes. Parce que Pabli, moi dit chapitre 2 et 3, qui est 7 lettres là-dedans, il représentait une catégorie de monde dans la dispensation de la grâce là. Yeah. Tout le monde qui tombait dans la catégorie de fez là, Seigneur a un désir, il a un bagage qu'il t'a remis pour nous. Si nous t'apprenons mot Éphèse là, si nous t'apprenons, ok, qui t'aime d'a dit désir, c'est dans chapitre 2, verset 5. Il dit que le mot Éphèse signifie désirer. C'est ça Éphèse signifie. But, Seigneur li éprouvé yon désir intense pour yon du feu d'amour brûler à nouveau à Éphèse. Jésus-Christ te parlé ça, quoi dans Matthieu yon nan livre li yo. Il dit que li vini pour le mettre yon du feu sous la terre. Il t'a aimé pour du fait ça allumer dans que chaque monde. Et qui ça Seigneur a te vle, li t'a vle que yon du fait encore, on du fait dans l'amour brûler à nouveau dans Éphèse. Même Jean Éphèse t'est l'église là t'est fait fonder avec monsieur Damio. Yes, c'est ça il t'a vle. Et li t'a vle que yo devenu conscient de état réel yo d'abandon du premier amour yo et que yo retrouvé état initial yo. Et problème l'église Éphèse li similaire avec problème en pile côté jodi a, c'est que beaucoup de chrétiens préfèrent discuter sur tout. Yo préférer discuter sur la foi, yo préférer discuter sur religion, yo préférer discuter sur bagage apostolique, yo préférer discuter sur doctrine biblique, hein. Là rencontrer yo au lieu yo prend conscience d'un bagage spirituel, yo getan déraper dans une doctrine. Yeah. Doctrine ça pas bon, ou pas sauvé, sou quitter l'église, sou retan l'église ou pas sauvé, doctrine ça c'est ceci, c'est doctrine ça qui bon. Yo prend yo fait yon gros bagay. Mais yo campé si ou t'attendé ça qui a passé dans YouTube koulia là, son bagay extraordinaire. Son bagay extraordinaire. Pasteur a parlé yon série de bagay ou pas même comprendre même
qu'il y a là ou jeune un gang qu'il y a là à faire réclamio météo pour parler mal de Jésus-Christ. Yo discuté sur tout et surtout yo discuté même position yo dans Christ devant le monde et même devant le péché. Plutôt pour ta songer côté oté côté oyé et côté obralé. Côté l'aime dit côté oté côté oyé et côté obralé, pas oublier li gen yon kafou qui la dan yo, c'est côté au tombé. Yes. C'est côté au tombé. Non parler beaucoup mais yo pas penser à repentance. Yo parler beaucoup mais yo pas penser à faire un vol de face. Parce que yo continuer à praler dans direction que yo praler. Mais pas oublier dans 2 Corinthiens 7 verset 10, il dit la repentance hein monde qui pas repenti la produit yon tristesse selon Dieu. Et ça pasteur Paul? Yes. Yo attaché en pile importance à l'amour fraternel. L'amour frère pour frère, c'est pour c'est et une fois et l'amour dans caille ou joine l'amour familial ou joine famille réunie tête pour tête, yo gen belle relation etc. Et même dans l'église où yo gen belle relation entre frère avec frère, yo gen belle relation dans la foi. Mais souvent yo négligé l'amour pour Dieu. Donc nos traditions pas une vie de prière, pas une marche dans l'obéissance et yon vie de gagneur d'âme. Amen. Yes. Yo rete à discuter de tout et de rien. Yo rete nan attachement familial. Yo rete nan attachement zami. Mais ça qui est important pour ta régler, yo pas régler. Combien de temps yo passé dans la prière? Combien de temps yo passé à étudier Biblio? Est-ce que yo marché dans l'obéissance? Est-ce que yo allé chercher un homme qui t'aime d'a dit yon vie d'évangélisation? Et c'est ça que Christ mandé. Christ dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et moun ki croit yo va baptiser, yo va sauver et moun ki pa croit yo va condamner. Christ ba nou yon responsabilité pas chita pour n'a discuter. Apôtre Paul et engager Timothée, li exhorter Timothée pour Timothée parete dans discussion folle et inutile. Bagay ki pa itil yo an rien. C'est pour lui rete dans le message de la parole de Dieu. Continue. Pour souligner l'importance des exhortations Seigneur, li placer l'église d'Éphèse devant yon alternative. Li placer l'église d'Éphèse devant yon alternative. Selon chapitre 2, verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Songez quand tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, j'avais dit, sinon ça qui place là, il y a deux choix. Sinon, ce soit faire ou bien pas faire. Ou bon choix. Si vous faites, c'est moi qui reste qui mettait en avant. Après, sinon, si vous ne faites pas, si vous ne faites pas, il mettait en avant. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ça, c'est le premier bagage à faire. Je vais retirer l'église là, net, je vais prendre le nom maintenant. Et deuxième bagage, à moins que tu ne répandes pas, à moins que tu ne te répandes. OK, yes. Si ce soir ou repenti et puis ou retourner dans premier amour bac, ou retourner dans même chaleur et puis sous pas repenti, m'a venu me fermer porte l'église là. Est-ce que Christ doit fermer porte l'église là? Oui, il doit parce que l'église là c'est l'église lui. Ou capable là, n'a fait bruit, n'a fait scandale, n'a fait toute bagaille, mais Christ déjà lui-même lui retiré l'en nous parce que nous pas gagné premier amour. Et David te dit un bagaille dans Psaume 51. C'est un bagaille pour ne pas quitter rivé ou. Il dit pendant que David dans tout état li,
dit, Seigneur, pas retirer l'Esprit Saint dans moi-même. Ça veut dire que prier bon Dieu pour quel que soit Jean Bagaille, pour le Saint-Esprit toujours là. Parce que depuis le Saint-Esprit là, gagne la vie. Nous dit que le Seigneur parlait, le Seigneur parlait, il mandait moun nan pour le repentir. Et ou bon choix. Peuple Israël, nous connaissons peuple Israël, c'est peuple pas bon Dieu. Peuple Israël, qui te m'a dit, peuple Israël, c'est petit bon Dieu. Peuple Israël, c'est bébé bon Dieu. Peuple Israël, c'est peuple. L'Éternel dit, peuple a gagné courait. Peuple a dit, l'Éternel dit, le rebelle. Mais en dépit de tout, quel que soit ça, peuple Israël fait, l'Éternel accepte depuis au repenti. Si m'ta retourné, parce que nous n'avons pas de temps, pour nous apprendre histoire Gomer, histoire prophète là, côté le Seigneur dit pour la prendre une femme prostituée, etc., etc. C'est pour montrer dans qui état l'Iran aimé Israël, même là Israël t'a fait n'importe qui bagaille. Depuis Israël retourné, vini, il a pas accepté Israël. Mais Israël gon bagaille. Depuis Israël éloigné de l'Éternel, qui ça l'Éternel fait? Il exhorté. Il voyait un prophète pour parler, ou dire que pour reprendre, mais. Et qui ça passe? Si on pas reprendre mais l'Éternel voyait châtier il voyait punition ba yo soit par un ennemi soit par un adversaire soit par un monde qui vini mettre en esclavage soit par un monde qui vient à passer yo etc., etc., etc. Li mettait Israël dans une position côté Israël obligé repentir. Nous connaissons histoire Israël. Les bagayo mal net pour Israël, l'Israël retourné vin joindre bon Dieu, l'elle crier dans pied bon Dieu et bon Dieu voyait un libérateur. Soit un juge, soit un prophète, etc., etc. Il te voyait Samuel en premier, il voyait Gédéon, il voyait Jephté, il voyait Déborah, etc., etc. Chaque fois il tombé, chaque fois il tombé, qui ça l'Éternel fait? L'Éternel voyait un prophète vin avertir. Yo il pas repenti, l'Éternel punit. Et bien, même Jean, tout, l'air repenti, l'Éternel délivre yo. Et l'Éternel délivre yo, yo soulage en bas jouk ennemi. Gen des fois yo délivre pour 30 ans. Gen des fois yo délivre pour 20 ans. Tout autant libérateur a là, libérateur après les oreilles yo, yo marche droite. Mais kou libérateur a mouri, voup yo tourne bak dans même bagay que yo teye. Et bien, c'est même Jean, tout. Le Seigneur parler à l'église. Mais dis ça. Le Seigneur parler à l'église. Si l'église refuse de repentir, qui ça le Seigneur a fait? L'a châtier. L'a punir. Li pas plaider prend et noir pour blanc parce que noir c'est noir, blanc sous blanc c'est blanc. Comme proverbe haïtien dit, li pas prend toutrelle pour pigeon parce que toutrelle c'est toutrelle. Pigeon c'est pigeon, l'el vini, si ou pas repenti, la punion. La punion normalement. Le Seigneur, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Mais en même temps, pas oublier tout son feu de voix. L'el parle avec ou, il parle avec ou, il parle avec ou, pas repenti, qui ça le fait? Il châtie ou. Yes. Et les app fait nos défauts, n'a pas avancé. Question m'ta posé, côté nous-mêmes. C'est une question vitale. C'est une question cruciale. Et c'est une question essentielle pour chaque chrétien. Si le Seigneur t'est béni nous dans le passé, hein? Et puis lampe nous t'a brillé. Lampe nous t'a brillé. Et si l'homme nous a éteint, qui ça nous doit faire? Est-ce que nous devons quitter l'homme là, continuer à éteindre? Ou bien est-ce que nous devons chercher gaz ou bien l'huile pour nous mettre dans l'homme? Non. Ou bien est-ce que nous continuons à quitter à éteindre? Le Seigneur a reproché nous, et non seulement l'a reproché nous, l'a mettez nous dans une situation. Dans un petit gode. Même genre avec Israël. Les Israël pas repenti, les seigneurs châtient.
même Jean tout avec nous, si nous pas repenti, le Seigneur a châtié nous. Mais tout chrétien connaît. Mais tout chrétien connaît que le Seigneur bénit nous. Le Seigneur bénit nous au lieu nous te à faire un pas, si nous te qu'on fait un pas, c'est pour nous essayer de faire deux pas en avant. Pas voguer en place parce que qui n'avance pas recule. Pas camper en place, c'est pour nous faire progrès. L'évangile l'a mandé pour nous faire progrès. Si lampe nous tape allumé, si nous ouais lampe là commencer éteindre, mettez l'huile. Et avec ça, lampe nous a continuer briller et Christ a continuer bénir nous. Bon Dieu proposer vainqueur l'église Éphésio yon bagay. Selon chapitre 2 verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Dieu propose au vainqueur de l'église d'Éphèse qui se laisse avertir. Attendez bien, oui. Dieu propose à l'église d'Éphèse qui se laisse avertir une glorieuse perspective ou récompense. Dieu propose à l'église d'Éphèse une glorieuse perspective ou récompense. En fait, tout le monde a aimé récompense. Tout le monde indistinctement a aimé récompense. Pas de monde qui n'a pas aimé récompense. Si vous n'avez pas une récompense dans le Seigneur, vous n'avez pas un châtiment. Parce que c'est deux bagailles qui gagnent. C'est soit vous jouez une bonne bagaille là, avec belle couronne ou dans le bord droite là, ou bien vous allez dans le bord gauche là, côté qui gagne et Satan avec les anges liés, aller dans le feu éternel. Dieu propose aux chrétiens d'Éphèse pour changer physio d'épaule. Pour changer physio d'épaule. Ou bien, qui te m'a dit, pour faire un vol de face. Ou bien pour lever côté au tombé. Lever, camper. Parce que premier à moi, il mourit. Il dit que si vous repenti à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous songeons au commencement, Dieu t'a créé un paradis avec un pied bois. Ça nous a capable de l'arbre de vie. Côté et l'homme manger dans pied bois ça fait lui servir à guérison et fruio là il bail fruit et 24 chaque jour il bail fruit 12 mois il bail fruit 4 saisons il bail fruit tout temps il pas jamais pas gain fruit. Eh bien Dieu promet chrétien l'église Éphésio et chrétien d'aujourd'hui tout il promet chrétien d'aujourd'hui il dit au que je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Après les souffrances et les larmes d'un serviteur éprouvé pour Dieu, nous goûterons un jour avec lui la communion sans ombre dans un nouvel Éden et nous verrons Christ, notre Seigneur, tel qu'il est. Donc, qui comme les nous avons fait nos défauts, mais qui déjà fait nos défauts, mais qui nous a tourné derrière. Donc, ou pas une question que vous posez? Non, une question là, non. C'est seulement un monde qui a fait un commentaire. Mais à part de ça, nous pas une question. Mais ça m'a aimé souligner, c'est que Éphèse, c'était une ville ou bien un centre qui était très reconnu, et là-dedans, te gen, nous t'a dit, Satan, te gen un monopole qui est très fort. L'église là, t'a évolué dans environnement ça, côté centre culturel ou bien économique. Donc, grand pile facteur, nous capables de contempler qui peut mettre, contribuer avec. Nous avons dit refroidissement. Parce que nous avons dit attaque là, il était disponible. Donc, chrétien, nous avons dit avec les gens qui ont tenté, ils ont pensé que les gens étaient dans un
Non, il était un environnement qui était facile. Qui était à l'aise. Yes. Et c'est comme si, parce qu'il était un environnement qui est à l'aise, donc il a vu un temps qu'on m'en fout bien. Non, parce que l'église Éphèse, c'était un centre, un gros centre pour l'homme, un capital côté était en pile d'argent qui t'a fait là. Ça, c'est une. Deuxièmement, il était un gros temple. Il y aurait le temple là. Temple de Diane, un gros temple que là, c'était un temple côté monde qu'on visitait Éphèse en pile, et ça t'est produit en pile. Temple ça, c'était un temple qui t'est gagné, qui était dédié à empereur. C'est un temple qui était dédié à empereur, et tout le monde t'est obligé. Et adorer là, adorer grand Diane ça. C'était un, qui m'a dit là, un monument. Yeah. C'était une merveille. Yeah, 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 parmi les même. 8 merveilles du monde dans l'époque là, c'était une merveille. Et jusqu'où il y a, quoi que ça ait écrasé, mais il y a un peu de monde qui toujours a le visiter. Il y a un peu de monde qui toujours a le visiter. Pour espace là seulement, côté qui valait et place que temple là te prend. Qui va les bagailles qui étaient ornement temple là pour parler de temple ça? C'était un côté qui était gagné en pile problème. Côté qui t'a dit pendant que les laissés après pocher des premiers amours, mais au gagné Satan qui était en face de tout qui t'a challenge de tout. Correct. Qui t'a challenge de tout. Pas capable de dire que yo t'a gagné bagaille, mais yo t'a gagné en pile gros challenge. Et non capable comprendre ça dans Éphésiens chapitre 6. Parce que environnement yo t'a vivre là, il t'a gagné non seulement le gagné temple là, mais temple là c'est là où t'a qu'on fait en pile cérémonie tout. Yeah. Et donc on était gagné en pile sorcellerie qui était dans zone là, il était gagné en pile en monde qui pratiquait magie. Dis-nous l'autre façon parce que exactement où il faut l'utiliser. L'homme qui sorcellerie a gagné monde qui capable comprendre ça sorcellerie. Sorcellerie c'est gros mot français. Monde qui t'a pratiqué magie, qui t'a fait mal, qui t'a fait crime. Qui t'a fait crime. Et fait gros sacrifice. Et dans sacrifice ça, tu gagné en pile en notre aspect sexuel qui est entré. Non, là-dedans, immoralité, elle était très forte. Infidélité. Ok. Infidélité. Immoralité. Yes. Yeah, tout bagage se rentre en ligne de compte. Et il y a un peu de monde qui est venu à Éphèse spécialement pour immoralité à tout. Ah. Il était fait en commerce. Vous comprenez? Il était fait en commerce. Comment? Yes. Il était fait en commerce. Et donc ça montrait l'église là, il était dans un environnement qui était difficile. Mais ça non, mais c'est que elle dit qu'on ça moins connaît. Je vous, c'est moi-même qui kembe ou nan même. Et donc, notamment, moun yo kap entende, asoya, gade, asoya, yo kapab réaliser. L'el dit, moi genyon nan même. Le Jésus dit, moi genyon nan même. Liv le fait qu'on est que, parce que c'est nan même ou y pa gon moun qui karacho nan même. Jésus mais dit ça, alors, Jésus dit, moi konne brebi yo, et pa gen moun qui kapran yo, nan même, sa papa mbouen yo. Exactement. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de contribuer pour nous sortir dans le mail si nous ne pouvons pas suivre le principe là. Mm-hmm. Si nous ne pouvons pas suivre le principe du bayo, nous ne pouvons pas suivre le règlement qui est le bayo, l'exhortation qui est le bayo. C'est ça que Fel dit. Nous devons repentir. Ou bien, quittez-moi de dire de l'autre façon qui est plus claire, nous devons faire un vol de face. Donc, à Soya, nous sommes capables de remarquer, bon Dieu, en mettre l'église là, il introduit tête li pour faire connait qui moun lié, non seulement il fait connait qui moun lié, il fait connait que c'est lui qui met l'église là, il connaît travail l'église là, il fin ba au bon compliment, après il fin ba au compliment connia, nous t'a dit li ba au avertissement pas. Pourquoi? Li ba au compliment, li ba au récompense et puis il fait aux promesses. Yes. Li ba au compliment, li ba au reproche. Et puis il dit OK, si nous fait Les messages prêchés, nous capables de dire message là, il est capable d'aller dans le sens compliment et conseil capable d'aller dans le sens reproche. Yes. Ça veut dire que ces gens ou même message là touché ou? Oh, yes. Message là qui a touché dans le sens et compliment, message là qui a touché tout dans le sens reproche. Proche. Et si message là touché dans le sens reproche, c'est pour qui ça pour faire? C'est pour prendre conscience, pour retourner back.
Et donc, il y a liba ou yon opportunité parce que liba ou yon exhortation. Exhortation. Donc, exhortation, li encourage ou pour capable de repentir des positions kotoya. Et donc, sous repentir des positions, il y a ou mette tête ou dans position pour capable de jouir des promesses ou bien des récompenses. Quel bail ou va manger des labs du jardin ou bien on va au Seigneur face ou face, tel qu'il est. Yes, c'est ça. C'est ça. Nous le verrons, lui tel qu'il est. Jésus le Rédempteur béni. Amen. Donc, il ne faut pas, les noms déjà arrivés. Parce que Paul, je ne sais pas, non, ça dépend des gens qui ont géré l'air. Mais ça m'a dit tout le monde, moi, je ne vais pas poser question. Est-ce que c'est comprendre ou pas comprendre, ou bien c'est question ou pas gain. Et il n'y a pas tout tard. Si nous avons une question, toujours écrit à Pasteur Paul, 305-305-1813. Il est capable de faire bah, nos réponses, soit par texte, message, ou bien quel que soit janvier, il est capable de faire nos réponses. Vous nous avez une question, nous venons, parce que l'étude là, c'est pour nous. Oui, yeah, c'est Pasteur ça. Pasteur Pierre. Donc, vous pouvez toujours poser des questions dans YouTube ou bien dans Facebook. N'importe qui. Non, tout ça, c'est une façon qui est disponible pour vous-même, cap garder ou capable de poser des questions. Donc, en ce moment, nous avons étudié livre Éphèse, l'Église, Éphèse là. Donc, il y a un jeune Apocalypse, chapitre 2. Donc, nous voyons que bon Dieu, bye. L'église là compliment li konnen nan ki environnement t'a fonctionné li wè efòr yo mais te gen yon reproche que li même li adressé el ba moun yo yon façon pou yo kapab remédier problème nan. Donc c'est même Jean non wè nan verset 7 là que avertissement ça qui te nous dit son avertissement global. Parce Jean avertissement dit que c'est lui qui a des oreilles. Yes. Que monde qui a des oreilles pour tendre, tendre. Il n'y a pas fait la soude d'oreille à message ça qui prêchait à l'église d'Éphèse, spécialement les chrétiens d'Éphèse et les chrétiens d'aujourd'hui. Correct. Donc ça veut dire non même qu'il a qui a participé qui a tendé un message ça, lui adressé également ensemble avec nous dans deux Corinthiens correct. Chapitre 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4 à 7. Donc li mande nou pour nous capables examiner tête nous-mêmes pour nous voir est-ce que vraiment nous toujours là-dedans. Donc ça veut dire ça c'est un bagage que on même pas faire pour vous ou même ou pas faire pour moi. Donc en ça nous tout nous gagnons n'a dit en commun c'est que nous tout nous gagnons oreilles, nous tout nous capables d'entendre et nous tout nous capables essayer discerner qui ça bon Dieu a dit avec nous. Ben, ça fait quoi? Yes Pasteur Paul. Yes. Et la Bible dit, libanon le Saint-Esprit qui est capable de conduire nous dans toute la vérité. Le Saint-Esprit a exhorté nous. On nous prend verset ça qu'apôtre Paul dit à Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça veut dire parole là des pour elle tomber, ils ont raison. Yes. Donc, toutefois, le tombé, ça veut dire qu'on moun quand même l'a pas dressé. Il y a un terrain qui besoin préparer. Et qui t'aime d'aller puis devant toujours pour me dire, sous senti parole là, l'inouï ou, il y a une bonne chance ou un changement besoin fait. Yes. Yes. Donc, frère Poua, comme nous avons une question, nous avons mis fin avec une série pour Asroya. Donc, nous voulons remercier chaque monde qui te joint ensemble avec nous. Nous espérons que vous avez appris nos bagages. Merci, serviteur, pasteur Enzo d'Ossainville, envoie une salutation pour pasteur Frépois. Donc, il dit bon travail à sœur Marie Obdeus, saluons-nous également. Et toute servante qui n'a sœur Rose, sœur Marie, sœur Raymond, sœur Florence, donc tout le monde s'est branché et tout l'autre monde qui branché, nous vous merci de ce côté-là où tu as participé avec nous dans l'étude-là et nous saluons également tout le monde qui est dans Radio Clairon Inter. Merci pour la présence. Nous espérons que vous avez joint un bagage qui pour aider capable de continuer à faire route-là. Donc, frère Poua, nous demandons capable la prière et puis nous terminons là. Nous voulons dire merci tout à tout le monde qui t'a écouté. Et nous va prier pour moi, pour mon Dieu capable toujours ouvrir connaissance moi, et pour mon capable toujours joindre de manière les jours pas m'arriver pour me finir faire étude, pour mon capable toujours capable joindre quelques mots pour me dire à la gloire de Dieu. Un spécial merci à Pasteur Enzo aussi. On nous coupe tête nous pour la prière. Papa nous qui dans ciel là,
Nous disons merci pour le moment ça nous t'est passé dans la présence. Nous disons merci Seigneur de ce que cet esprit est avec nous, il n'est pas quitté nous. Merci Seigneur, nous faisons un bon inet temps, n'a parlé. Nous connaissons ou dit dans parole ou parole là pas aller sans pas porter effet. Nous sommes que parole là côté le tomber, il gon effet la porter quand même parce que parole ou pas retourner venir joindre sans pas produire effet. Merci Seigneur pour tout le monde qui t'a écouté. Merci pour tout le monde et quoi qu'il pas poser question même sûr que peut-être vous bien comprendre. Et nous espérons que si on monde gain yon inconvénient avec yon bagaille que nous te dit ou pas comprendre, vous capable reler pour poser question et comme ça nous va clarifier les choses pour capable clair. Et n'a demandé à soi à Seigneur béni chaque monde qui était là. Et si on monde senti gain un bagaille qui pas marché, soit li senti faible parce que Bible a dit dans dernier jour la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous pas t'aimer pour l'amour personne refroidit. Nous t'aimer Seigneur, ou mettez l'huile dans l'ampe côté Seigneur gain flamme du feu après foi dit qu'on ça du feu l'évangile là, du feu que Christ ba là, il va arrêter avec gros flamme et nous va rester ferme et dans dernier jour non pas parmi monde Seigneur qui va châtier ou va voir dans le temps du feu éternel. Mais nous va parmi monde Seigneur qui va prendre pour mettre dans paradis à Seigneur côté nous va manger arbre de vie qui dans paradis et comme ça nous va arrêter avec Christ dans une communion parfaite et nous va aller face à face. Reste avec nous papa, dirigez nous pendant que nous gagnons pour nous séparer pour nous aller la caille nous chaque monde va gagner de mes respectives yo n'a mando avec nous on fait nos promesses ou regarder les n'a sorti ou regarder les n'a rentrer. Gardez des pas nous, gardez arriver nous. Gardez les nous pour dormir parce que Dieu pas jamais fait manger ou nous pas jamais kabicha pendant que on veille petit tout. Gardez nous rester avec nos papa. Nous prions comme ça au nom de Jésus qui vivrait au siècle des siècles. Amen. Donc, merci. Merci tout le monde qui était branché. Passez une bonne soirée et n'a rencontrer encore demain soir dans Radio Clairon pour créer des minuit et dimanche matin pour service d'adoration. Que bon Dieu capable bénir.